Yo les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Rarafit HD. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une squad builder. Un peu trop cheatée. Tu vas voir les joueurs qu'il y a dans cette équipe. Ça va trop vite. Tu vas avoir envie d'appuyer sur la touche R2. On commence par le gardien. Ludovic Butel. Acheté pour 11 250 crédits. 1m88, 80 de réflexe, 80 en main. Après. Les stats, c'est pas trop mal, franchement, pour un goal argent. Il m'a un peu impressionné quand même, je vous l'avoue. Ensuite, on passe au premier défenseur central, Jean-Charles Castelletto. Il est pas très bon en défense, c'est pour ça que j'ai pris une carte sentinelle. Mais 85 de vitesse, les gars, 1m86, pour un défenseur, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on passe au deuxième, Opara, 86 en vitesse, 82 de physique, vraiment, quand vous jouez avec lui sur le terrain. Ça ressent qu'il a du physique, en plus il fait 1m88, c'est vraiment pas mal du tout. On passe, défenseur gauche, Chimanga. J'ai pas grand chose à dire sur lui, il est rapide, il est bon défense, il est bon physique, c'est tout ce qu'on veut. Défenseur droit, dit Andrei Yedlin, 93 de vitesse. Bon après en défense c'est pas trop ça, mais il tient le coup le petit. Ensuite, on passe aux trois milieux centraux de cette équipe. On commence tout de suite par Wilfred Ndidi en version TOTS, 64 de général, 85 en vitesse. De base, un MDC, je l'ai mis en MC. Bon, en vitesse, en tir et en passe, il n'est pas très bon. Mais vous allez voir pourquoi je l'ai mis. Ensuite, on passe au deuxième, c'est Feilaber. Feilaber, vraiment. 12 750 crédits, mais il est complet. Voilà, il a des stats au-dessus de 75 partout. Oh non, au-dessus de 70 partout. Voilà, donc il est vraiment très complet. Et je vous le conseille. Voilà, Feilaber. Je vous conseille ce joueur. Ensuite, on passe au deuxième MC. Bon, de base, c'est un MOC. Nguyen, vraiment qui a des stats. Bon, je vais pas vous cacher, je l'ai pris que parce qu'il a 4 étoiles geste technique. Mais bon, il est bon en vitesse, il est bon en frappe, il est bon en passe. C'est tout ce qu'on veut. Ensuite, on passe au milieu offensif. Now this, just check this out from Clint Dempsey. See you later. Clint Dempsey, voilà, qui est de base buteur, mais que j'ai mis en MOC pour sa frappe. 4 de mauvais pied, 4 de gestes techniques. Il est bon en physique, il est bon en tir, il est bon en vitesse. C'est tout ce qu'on veut pour un numéro 10. Ensuite, on passe aux deux buteurs. Donc, on a Moses Simon. 90 en vitesse, 5 de mauvais pieds et 4 de gestes techniques. Franchement, ce joueur, il est super agile, je vous le conseille. Perso, cette équipe, je vous la conseille vraiment. Ensuite, on passe au deuxième buteur, Obafemi Martins. 91 en vitesse, 5 de mauvais pieds également et 4 de gestes techniques. Voilà, les deux attaquants aux 5 étoiles de mauvais pieds, c'est vraiment indispensable. Ils peuvent marquer du droit comme du gauche. Donc, je vous laisse, je vous montre. Les buts que j'ai mis avec cette équipe et on se retrouve juste après. Thank you.
apprécié les buts que j'ai mis avec cette équipe. Honnêtement, c'est mieux de faire des équipes comme ça, originales, en variant les tots, les bronzes, les argents, les boosts, etc. Ça change un petit peu des BPL. En ce qui concerne du prix, le prix, il est de 50 000 crédits. Donc c'est assez abordable, on va dire, si vous avez un minimum de crédits. En tout cas, cette équipe, je la conseille. J'ai oublié de préciser avec cette équipe, j'ai fait 4 matchs en boucle les champions. Il y a eu 4 rush kits. Donc voilà. Qu'est-ce que je te dis? C'est cheaté. Bon, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine.